L'attaque a éclaté aux environs de 5 heures dans le village Vingazi et Paris à Mamové. Jusqu'à 8 heures, les tirs aux armes lourdes et légères étaient encore en cours, avant que les assaillants ne se retrachent vers Mebundu et Maleba, confirme Kinos Katou au président de la société civile locale. Il dresse un bilan provisoire de 8 civils tués et appelle l'armée à remplir ses missions régaliennes de protéger la population. À Mamové, il y a eu l'exécution des adeptes Nalou. Vers 5h30, ils ont exécuté la population de 5h à 8h30. Pour le moment, le village est à la hausse, ça fait au moins 8 morts. Situation très compliquée. L'ennemi a pris la direction de Meibundu en allant vers Malegbaye. Les autorités savent très bien leur mission. Ils doivent faire la sécurité des personnes et leur bien. Voilà maintenant le village de Mamové vidé de toute sa population. Je ne sais pas s'ils vont garder les maisons ou vont garder les arbres. Qu'ils puissent prendre des précautions et voir comment éradiquer totalement l'ennemi qui est en train de troubler l'inquiétude de la population. Ce bilan est confirmé aussi par Madame Rosette Kavula, administrateur du territoire adjoint. Elle affirme que l'ennemi s'est faufilé dans le fin fond pour échapper aux positions militaires. C'est une triste nouvelle où l'ennemi nous a vraiment fouetté. Il a tué la population innocente. Jusque-là, on compte 8 corps, un bilan qui est encore provisoire comme la fouille continue. L'ennemi profitait les fin fond, mais les éléments de l'ordre sont en main mauvais. Après les enquêtes, l'ennemi s'est faufilé vers les infos, donc ils cherchaient là où les gens sont tellement isolés, un peu cachés. C'est là où aussi l'ennemi en profitait tuer. Les éléments sont là, sauf que l'ennemi en profitait aussi les infos, là où on ne s'imaginait pas, là où on ne peut pas s'y attendre. C'est une deuxième attaque attribuée au groupe armé ADEF à l'espace de 72 heures dans le même village de Mamové. Cette autre personne était tuée la nuit de vendredi 2 au samedi 3 octobre, ce qui fait 15 personnes tuées à l'espace de 3 jours. Cette situation est à la base des déplacements de plusieurs ménages vers les centres et les villages un peu plus sécurisés.